golden. Life is good. Par ici les sportifs, nous voici en salle pour vous présenter une nouvelle machine et un nouveau mouvement. Il s'agit de la presse à cuisse pour travailler tous les membres inférieurs. Allez-y, venez, je vous montre comment on fait. Alors il existe plusieurs modèles de presse. Vous allez voir dans les salles, il y a des presses qui sont complètement à la verticale. Il y en a d'autres à 45 degrés et d'autres juste à l'horizontale. Moi, je vais vous présenter celle-là, la presse 45 degrés. Vous allez la reconnaître, il y a un dossier avec les pieds qui vont pouvoir pousser un plateau à 45 degrés. Okay? Donc d'abord, vous allez commencer par mettre de la charge. Là, il y a environ 3 plaques de chaque côté. C'est suffisant pour travailler. On s'installe, vous allez bien coller le dos au dossier. Posez les pieds sur le plateau. Habituellement, il y a un trait. Ça va être votre repère pour les pieds. Vous allez mettre le trait au milieu de votre pied. Vous sortez légèrement les pointes. Vous allez sortir la poitrine, bien bomber le torse. Vérifiez que tout le dos soit bien collé. Vous allez saisir les poignets, pousser le plateau, tirer les sécurités et bien vous placer pour pouvoir commencer le mouvement. Moi, je vais vous montrer deux façons d'utiliser la presse. D'abord, un mouvement normal, vous allez juste descendre et pousser tout en soufflant dans la montée. Donc, je descends le plateau jusqu'à ce que les genoux se rapprochent de la poitrine, en bloc et on pousse la presse. Encore une fois, vérifiez bien les genoux dans l'alignement des pieds, on écarte légèrement et on pousse. Encore une fois, quand le plateau est en bas, le dos doit toujours rester plaqué. Donc ça, c'est une méthode pour travailler à la presse. La deuxième, ça va être de poser le plateau en bas et de commencer le mouvement à partir du bas. Donc ça va être une poussée et une redescente. Le mouvement, il est inversé. Je prépare, je cale le dos, je pousse et je ramène. On relâche complètement les muscles et on recontracte. Et voilà, le tour est joué. Donc voilà, c'était la presse à cuisse, une machine qui va bien travailler les membres inférieurs de votre corps. Ce qui est bien avec cette machine, c'est que ça pourrait être l'alternative de vos squats. Si vous avez mal au dos, vous avez des problèmes de posture, venez travailler sur la presse. C'est le meilleur moyen. Au moins, ici, vous n'allez pas vous blesser. Il y a le dos qui est bien collé. Il suffit juste de bien travailler votre mouvement et vous aurez des belles cuisses. Stay focused.